Bah, tout le monde le dit, hein, c'est l'esprit midi, quoi. Il y a une ambiance de fou, quoi. Enfin, très spéciale, rien à voir avec même toutes les autres courses que j'ai fait d'amateur. Je parle pas des professionnels où ils se tapent dessus, mais là, c'est vraiment, y a vraiment un super esprit. Ensuite, c'est quand même un gros challenge de traverser sur un petit bateau comme ça. Puis quand David Raison a sorti ce bateau là en bateau de série, là j'ai tout de suite craqué. En fait, il n'y aurait pas eu la conjonction du bateau et moi qui étais prêt pour ce moment-là, je crois que je l'aurais jamais fait. C'est le côté innovation, prise de risque. Et puis je me suis dit qu'avec un bon bateau, étant dans les premiers, je pouvais peut-être faire quelque chose par rapport à tous les jeunes loups là, qui s'entraînent toute l'année avec des pogo 3. Moi, je fais de la formation maintenant, de la formation maritime et en particulier la stabilité des navires, enfin plutôt des gros navires ou des supplies, des navires d'assistance aux plateformes. Et donc, je fais beaucoup de stabilité et ce bateau a une architecture très typée sur ça. Ça a très bien marché en prototype, hein, puisque le prototype a gagné deux fois. Et puis j'attendais vraiment qu'un chantier se lance sur le même design. Et donc là, ils ont lancé ça. Je suis tout de suite allé les voir. Et j'ai rencontré Pascal et le lendemain matin, j'ai envoyé un chèque. Et voilà. C'était assez, assez brutal, on va dire. Moi, je suis bien en mer, donc je pense que je serai pas mal. Ça, c'est clair. Les 7 jours en solo là, de la qualification hors course, j'étais bien, même si c'était très dur et je connaissais pas le bateau, j'avais peur de le casser. Oui, on est en danger dans le sens où on est en solitaire et c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la veille. On a, le risque d'abordage, il existe, il est clair. Après, on le prend, voilà. Je vais certainement trouver plein de choses comme les autres, hein, mais... Je sais pas, moi j'ai l'objectif d'arriver en face et c'est toute ma conduite là-dessus.